D'abord, je suis ravie de vous retrouver pour ces 9e assises de l'énergie, ravie de les animer à nouveau. Le thème, vous l'avez vu cette année, produire, convertir et stocker l'énergie. Nous aurons tout à l'heure une table ronde, vous l'avez dit, autour du stockage de l'énergie. Alors juste pour vous dire que tous les sujets dont on parle, ils sont loin d'être futuristes ou totalement irréels. L'année dernière, ici, on parlait d'autoconsommation. Les choses évoluent en France. On a toujours peu de projets d'autoconsommation collective, pour tout vous dire. Mais dans la loi, les choses bougent. Elles ont notamment bougé cette année à travers la loi énergie-climat pour les bailleurs sociaux. Ça va être un petit peu plus facile, a priori, pour eux. On commence à envisager l'idée que l'autoconsommation soit aussi un dispositif d'économie d'énergie, un peu comme les C2E. Bon, on n'y est pas encore tout à fait, mais ça bouge. Et surtout, l'Europe bouge beaucoup sur le sujet, est très favorable à l'autoconsommation, et en particulier l'autoconsommation collective, ce qui veut dire que les choses vont bouger aussi en France. Et je crois évidemment que M. Roger Lacan va vous en parler dans un instant. Donc, je vous le dis, on va beaucoup parler de ces sujets de transition énergétique. Mais l'objectif, évidemment, c'est de vous montrer à tous, vous tous les élus, comment on peut faire vraiment pour agir. Et c'est pourquoi on est ravis, comme vous l'avez dit, M. Loury, d'accueillir M. Cyril Roger Lacan. Je vous en prie, venez me rejoindre sur scène. Bonjour à vous, merci d'être avec nous. Donc vous êtes expert du débat national sur la transition énergétique. Vous avez notamment présidé le groupe d'experts consacré à la gouvernance de l'énergie. Et vous êtes le président de Tilia. Donc dans ce cadre-là, vous accompagnez les collectivités et les acteurs des territoires. Et vous développez avec eux des projets de transition. C'est pour ça que vous allez pouvoir nous en dire un peu plus concrètement. Sur comment s'y prendre. Bon, faut peut-être rappeler d'abord aussi le contexte, et puis vous pouvez évidemment ajouter quelques mots pour vous présenter. Je vous en prie, je vous passe la parole. Merci madame, je crois que le micro marche. Je vais m'emparer aussi d'un petit objet qui va m'aider. Si je me rappelle comment on s'en sert, voilà, une petite chose comme ça. Bien, monsieur le président, cher Jean-Noël Loury, monsieur le ministre, mesdames et messieurs les parlementaires, monsieur le représentant de l'État, mesdames, messieurs les élus, mesdames, messieurs, chers amis. D'abord, je voulais vous dire que je suis très heureux d'être là avec vous. D'abord parce que j'ai une maison dans Lyon. C'est une raison, c'est pas pour ça qu'on m'a invité, comme vous l'imaginez, parce que c'est probablement le cas de presque tous ceux qui sont ici. Et puis surtout parce que c'est vrai que je préside, je dirige une entreprise européenne, franco-allemande à l'origine, qui a été un acteur de référence, un acteur pionnier de la transition énergétique dans les territoires, puisque c'est le territoire qui a été le prisme de toute notre action depuis que nous avons créé il y a 10 ans cette entreprise, avec l'idée que c'est dans ce creuset territorial que nos systèmes énergétiques et au-delà nos systèmes d'infrastructures, de services essentiels, allaient se réinventer d'une façon qui, si on y réfléchit un instant, et vous le savez, en réalité, est complètement inverse de la façon dont se sont développées ces infrastructures pendant les décennies qui ont précédé. Et donc, c'est d'ailleurs à ce titre qu'on m'avait effectivement demandé de présider un groupe d'experts du débat national pour parler à la fois des territoires et de l'Europe principalement. Et ces deux dimensions sont assez liées dans notre esprit. Et donc nous, on conçoit avec des syndicats départementaux, des collectivités, des entreprises, des établissements publics, des projets qui sont souvent des projets un peu ambitieux de transition énergétique, et on les met en œuvre ensemble, puisque cette dimension de la mise en œuvre, et je pense que les élus et tous les acteurs qui sont ici le savent, elle est aussi importante que la dimension de la conception ou du financement, puisque finalement tous ces projets sont des projets de transformation de vos organisations, de nos organisations, et des projets d'ambition collective où on réunit beaucoup d'acteurs. Et finalement, ce qu'on voit en France, on a finalement beaucoup de très bons ingénieurs dans ce pays et beaucoup de gens, de façon générale, très compétents. Ce qui nous manque un peu par rapport à nos amis scandinaves ou allemands, par exemple, c'est souvent ce que j'appelle, moi, cette maturité coopérative qui permet de mettre en œuvre les projets, d'avancer. Et souvent, on se dit, mais pourquoi est-ce que dans notre pays, tout est si compliqué? Alors, les quelques mots que je vais vous dire ce matin prennent appui sur quelques visuels, évidemment, trop compliqués. C'est l'inconvénient d'avoir des belles équipes, c'est qu'ils travaillent trop bien. Alors, ils m'ont préparé quelque chose dont j'ai vu que c'était trop dense pour ce que j'avais à vous dire, en tout cas pour le temps que nous aurons à partager ce matin. Va servir en réalité à mettre en perspective deux choses. La première, c'est qu'est-ce qui se passe vraiment en ce moment dans cette transition énergétique dont on parle tant? Est-ce qu'il y a des choses qui évoluent de manière décisive et qui sont porteuses d'enseignement pour nous, des ENR plus concrètes que d'autres, des sujets plus réels que d'autres, des sujets qui avancent pas? Il y a malheureusement des sujets qui n'avancent pas.
Et puis, ça, c'est sera la première partie de mon exposé que j'essaierai de faire très brève. Et la seconde sera consacrée, et peut-être plus particulièrement dans l'esprit de cette journée, à réfléchir avec vous sur ce que nous partageons, c'est-à-dire comment agir dans ces domaines, comment agir dans les territoires, comment agir de façon efficace dans le contexte qui est le nôtre, qui a des avantages et puis qui a des limites et des inconvénients. L'inconvénient principal étant que nous n'avons pas de prix du carbone et que n'ayant pas de prix du carbone, on est obligé, pour pousser un certain nombre d'actions innovantes dont on a parlé, dont le président Loury a parlé, d'avoir recours à des subventions, puisqu'au fond, on n'a pas fabriqué une économie qui d'elle-même envoie les bons signaux pour faire ce qu'on essaye de faire tous ensemble. Alors je vais voir si ça marche. Ça marche, c'est admirable. Un tout petit scope, et après c'est promis, on parlera essentiellement des territoires et de nous, mais c'est quand même important de le dire, cette histoire de l'énergie dans les territoires que vous vivez, dont vous êtes les acteurs, dont les élus principalement sont les acteurs, avec des partenaires comme nous, comme d'autres qui sont dans cette salle, c'est pas une mode. C'est une évolution, et je pense qu'on peut la décomposer, comme c'est expliqué là, en trois évolutions. Il y a une évolution qui est mondiale, qui est justement cette inversion complète de la façon dont nos systèmes d'infrastructures, ça clignote devant moi, mais ça clignote pas derrière, donc tout va bien. C'est l'écran qui clignote, donc ça, c'est pas grave. Cette évolution, elle est partout. Elle est en Chine, elle est en Australie, elle est aux États-Unis. On est en train de reconcevoir complètement nos systèmes d'infrastructures énergétiques en lien avec les autres systèmes de mobilité, d'aménagement, d'eau, de déchets, d'une façon qui n'a rien à voir avec la façon dont on les a conçus avant. Et puis, il y a une évolution européenne. Et ça, c'est important, parce que je crois que c'est peut-être celle qu'on voit le moins, et elle vous concerne. C'est que les formes institutionnelles, démocratiques, anciennes, et qui, il y a 20 ans, un certain nombre de gens jugeaient dépassées. Je me rappelle que, moi, il y a 20 ans, on venait m'expliquer que les entreprises publiques en Allemagne ou les syndicats d'énergie en France, bon, ben voilà, c'était l'histoire, mais c'était peut-être pas l'avenir. Nous, on a pensé exactement l'inverse, et c'est l'inverse qui se produit. C'est-à-dire que, du fait à la fois du changement technologique et de la demande des citoyens, c'est précisément ces organisations traditionnelles, démocratiques, locales, qui sont aujourd'hui les porteurs principaux de ce projet. Et c'est quelque chose que beaucoup de gens n'avaient pas vu venir. Et puis, il y a une évolution française, qui est qu'on a ce vieux cadre bizarre, qui mêlait des concessions de gaz et d'électricité, la loi de 1906, quelque chose de très ancien, qu'on n'a pas abandonné avec la loi du 8 avril 1946 sur le monopole. Mais enfin, ces concessions, on les avait un peu oubliées. Et puis, depuis une quinzaine d'années, les autorités organisatrices, concédantes, ont décidé de faire de ces concessions un vrai outil de travail, un vrai outil de partenariat avec les gestionnaires de réseau, mais aussi avec d'autres acteurs. Et donc ce renouveau de la forme concessive, c'est aussi quelque chose, à mon avis, de très important. Donc on a ces trois évolutions ensemble, dans chacun de vos territoires. J'ai enjambé une planche, tant mieux. trois choses, je ne pourrais évidemment pas parler de tout, on va parler de stockage aujourd'hui, on en reparlera tout à l'heure. Trois choses peut-être qui sont importantes, je crois, pour se repérer dans ce grand tout, quelquefois un peu confus, il faut bien le dire, de ce qu'on appelle la transition énergétique. La nouvelle donne des énergies renouvelables, le fait qu'on va vers des systèmes multi-énergie, on y va vraiment, et on y va parce que c'est là qu'on trouve des modèles économiques, ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Et la question de l'efficacité énergétique et des services, qui est une question très importante, à la fois pour les syndicats, comme les syndicats de Lyon ou d'autres syndicats qui sont représentés ici, mais aussi pour toutes les collectivités, parce qu'on voit bien que tout est en train de s'imbriquer, que l'efficacité énergétique, c'est des services, c'est beaucoup de choses à la fois, et que pour des organisations qui, notamment, avaient comme mission traditionnelle de concéder des réseaux d'électricité et de gaz, c'est quand même une nouveauté importante. Sur les ENR, rapidement, vous le savez, on n'a pas connu en France ce qu'on a connu en Europe du Nord, en Allemagne, en Scandinavie, en Autriche, c'est-à-dire une appropriation précoce et profonde du développement des énergies renouvelables par les collectivités. En Allemagne, 50% du parc ENR, le parc ENR il fait 90 gigawatts, donc on parle au moins de... Oui, il en fait 100 maintenant, donc c'est à peu près 50 gigawatts, et sont détenus par les collectivités, les coopératives, les artisans, les agriculteurs, des structures territoriales petites qui détiennent ce parc gigantesque. Bon. En France, on n'en est pas là, et ça a certaines conséquences. Et l'autre chose qu'on voit maintenant, c'est que
avec la fin des tarifs de rachat programmés, on ne pourra plus, nous en France, profiter, comme l'ont fait les pays d'Europe du Nord, d'un système très confortable, finalement, qui est celui des obligations d'achat avec des tarifs garantis, dans la plupart des cas, pour produire des ENR. On demande maintenant à tous les producteurs d'ENR de s'inscrire dans des systèmes plus complexes en prenant une partie du risque et surtout en assumant une partie de la charge de la régulation du système dans lequel il s'inscrit. Donc ça va être un peu plus compliqué et c'est dans ce contexte-là qu'on va le faire en France puisque malgré un certain nombre d'actions pionnières qui ne sont pas tout à fait négligeables ou de témoignages, c'est que les représentants du syndicat de la Vendée qui ont été des précurseurs dans ce domaine sont là, on n'a pas, comme on dit d'un mot que personnellement je n'aime pas, massifier la production d'énergie renouvelable par les collectivités comme on l'a fait ailleurs. Donc il va falloir le faire dans un contexte qui est un contexte différent. Ça, je vous le laisserai pour vos dossiers. Mais enfin, on a à peu près 50 gigawatts aujourd'hui d'ENR installés. Tous les chiffres sont là, je ne vais pas vous en donner lecture. Ce sont des repères utiles. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on fait à peu près ce qu'on dit et ce qu'on programme, en tout cas en matière d'ENR électrique, à l'exception de la méthanisation. D'ailleurs, quand on fait de la cogénération et que la méthanisation, ça devient pour une part une ENR électrique, mais ça ne pèse pas très lourd, comme vous le savez, dans le mix français. Bon, donc on est en gros en ligne avec nos objectifs. Ça, c'est un visuel qui est un peu décourageant quand on le voit comme ça. J'en fais juste un petit commentaire rapide. C'est en réalité, en plus, c'est d'autant plus triste que c'est un très gros travail qu'on a fait, nous. Comment ça fonctionne ? Comment ça fonctionne ? C'est les coûts de production à gauche et les prix de vente à droite des ENR en 2015, en 2018, et ce qui est prévisible pour 2022. Et pour 2022, on peut faire des prévisions assez robustes. Vous voyez, donc pour chaque ENR, alors on ne voit rien, donc je vais vous le commander, mais pour chaque ENR, on voit où elle était en 2015, où elle est à peu près en 2008. Quand il y a une forme comme ça, rectangulaire, c'est qu'évidemment les prix ne sont pas tout à fait les mêmes en fonction des contextes, et où on pense qu'elle sera en 2022. Il y a en fait deux messages là-dedans, je ne vais pas commenter ce graphique, ce n'est pas le lieu. Le premier, le principal, c'est que l'énergie solaire, que vous voyez ici avec les centrales PV au sol, du côté de la production, ici en prix de vente complet, ça c'est les tarifs bleus, c'est-à-dire les tarifs consommateurs, ça c'est les tarifs moyens qui sont les anciens tarifs jaunes et verts, donc les tarifs des petits industriels ou des gros consommateurs type collectivité. Ce que vous voyez, c'est que les tarifs de l'énergie solaire sont en train de passer en dessous, nettement en dessous de tout ça, et ce sera vrai dans toute la France, même dans la partie de la France où on a environ 1000 heures d'ensoleillement par an, c'est-à-dire la partie la plus septentrionale de notre pays. Et c'est évidemment très important parce que l'énergie solaire, on en parle depuis des années, mais enfin, c'était tout de même encore assez cher. Et là, on est en train de passer en dur, ce qu'en économie, vous le savez, on appelle un point mort, par rapport à ce qu'on appelle aussi quelquefois la parité réseau, qui est un concept qu'il faut manier avec prudence. Il est en train de se passer quelque chose de très important sur l'énergie solaire. Et quand on ajoute à ça, et vous le savez tous, que l'énergie solaire est mieux acceptée par la population, par les habitants, que d'autres énergies renouvelables, d'une part, et que d'autre part, elle se prête extrêmement bien à l'autoconsommation, on voit bien qu'on est devant un sujet majeur. L'autre sujet, bon, que l'hydraulique soit la meilleure des énergies et la moins chère des énergies renouvelables, au problème près de la gestion écologique des cours d'eau qui devient compliqué, vous le savez. L'autre message important dans tout ça, il y en a quelques autres, mais je ne vais pas en faire trop, c'est que la thermique renouvelable, notamment autour de la biomasse ou de la géothermie, est également une très bonne énergie et une énergie extrêmement rentable. J'en redirai un mot dans un instant. Sur l'autoconsommation, on en parlait il y a un instant, on est très en retard sur les autres pays. On est à 33 000 sites raccordés au troisième trimestre 2018, chiffre Enedis, alors qu'on a 1,5 million autoconsommateurs en Allemagne, 750 000 au Royaume-Uni. Je crois que vous connaissez le contexte de façon générale, qui est que l'autoconsommation en France n'a pas été encouragée dans un premier temps. La CRE a une position là-dessus qui se veut équilibrée, mais qui est encore assez ambiguë. L'autoconsommation collective, c'est cher et c'est compliqué, et c'est la raison pour laquelle ça progresse extrêmement peu. Donc, on progresse sur l'autoconsommation, et je vais essayer de dire un mot de façon très concrète de la façon dont ça peut progresser, mais on est très en retard. Deuxième point sur quoi je voulais mettre l'accent, la thermique. On en parle toujours,
moins qu'on ne parle de l'électricité et du gaz de notre pays. On parle énormément des ENR électriques, on a raison d'en parler. Il faut parler de la thermique, c'est 50% de notre consommation d'énergie, c'est l'énergie territoriale par excellence, et c'est surtout le vrai levier de décarbonation des territoires. Vous savez qu'en France, notre électricité, qu'on aime ou qu'on n'aime pas le nucléaire, elle est décarbonée à 97% aujourd'hui. Et donc, les ENR électriques, il faut en faire pour autonomiser le territoire, pour valoriser ses ressources, pour créer de la résilience énergétique, mais on ne décarbonne pas beaucoup avec l'électricité, puisqu'on est déjà décarboné. Et quand vous regardez les vrais chiffres de décarbonation des territoires dans les années récentes, vous voyez que c'est les territoires qui ont agi sur la thermique, principalement avec des réseaux de chaleur, souvent avec de la biomasse, avec de la géothermie quand il y en a, qui ont vraiment modifié leurs équations de décarbonation. Et surtout que la chaleur, c'est ce qu'on consomme le plus. Enfin, c'est 50% de l'énergie qu'on consomme. Voilà, c'est ça, donc il faut vraiment insister là-dessus. Quoi. Et l'autre sujet, dont on ne parlera pas ce matin, mais ça pourrait être le thème dans quelques années des Assises de l'énergie de Lyon, c'est que le rafraîchissement collectif et la climatisation est un énorme enjeu en France et dans le monde au regard de la question du changement climatique. On ne pourra pas s'adapter au réchauffement climatique et au dérèglement climatique par le rafraîchissement uniquement avec les systèmes individuels qu'on utilise aujourd'hui, ou alors on court collectivement à la catastrophe. Dernier point discret mais fondamental, pour vous tous, pour le bloc communal, pour les AODE bien sûr, mais pour toutes les collectivités, la thermique, dans le jargon qui est repris là, n'est pas une bonne liste. C'est-à-dire que la thermique n'a pas, contrairement à l'électricité et au gaz, été séparée entre des segments concurrentiels de production, de fourniture et des segments monopolistiques de transport et de distribution. Vous avez entre les mains la totalité des segments de la thermique que vous pouvez produire, distribuer, et vous pouvez le lier à de l'efficacité énergétique. Il y a vraiment des choses formidables à faire dans ce domaine. On n'est pas très loin de la Nièvre. Vous savez que le syndicat de la Nièvre a... Aujourd'hui, la Nièvre, toutes les communes de plus de 2000 habitants ont un réseau de chaleur alimenté par une biomasse, principalement, pas toujours dans la plupart des cas, géré par la régie que le syndicat de la Nièvre a créée pour gérer ces réseaux. Un mot très vite sur la question de la digitalisation. Je pense qu'on... On en parle énormément. Moi, il y a un sujet qui m'intéresse beaucoup et qui peut-être intéresse certains d'entre vous, c'est ce qu'on peut faire vraiment avec les outils digitaux dans les territoires ruraux, parce que je pense que c'est une question très importante. On parle toujours de Smart City. On en parle un peu à tort et à travers, à mon avis. Il m'arrive de parler sur le sujet. Il faut vraiment se demander ce que, grâce à des organisations comme des syndicats départementaux et notamment comme le syndicat de Lyon, qui sont actives, le discours du président Loury l'a montré, on peut faire avec ce type d'outils et on peut faire pas mal de choses, à condition de mutualiser un certain nombre d'outils qui seront demain des outils de gestion des données. Les autorités organisatrices, les communes demandent aux gestionnaires de réseau de leur donner plus de données. C'est en train de s'organiser, ça va se faire. Quand ce sera fait, vous serez vous aussi co-gestionnaire de ces données. Vous serez les utilisateurs primaires de ces données. Vous serez ceux qui les donneront à ceux qui créent des services. Vous aurez des installations de stockage, de pilotage de votre éclairage public, de pilotage de vos bâtiments publics, et donc vous travaillerez avec ces outils. Et c'est fondamental, notamment en milieu rural, quand l'urbanisme est moins dense, ce sera fondamental de disposer de ces outils pour piloter des systèmes énergétiques optimisés. Donc il faut, pour moi, c'est vraiment ça qui est important, plus des rôles nouveaux que vous pourrez jouer, par exemple celui d'agrégateur de flexibilité, condition d'être regroupés, par exemple dans un syndicat d'énergie ou à l'échelle de villes qui ont déjà une taille importante, vous pourrez demain être des acteurs de marché en vendant par des contrats vos flexibilités sur les marchés de l'énergie. Pardon, oui, il s'est un peu... Le micro penche dangereusement. Bon, je vais passer là-dessus parce que j'ai peur de... Je vais passer aussi assez vite sur la question de la mobilité électrique. C'est un peu dommage, mais on va avoir l'occasion d'en reparler aujourd'hui. Il y a quand même deux, trois choses importantes là aussi à dire. La première, c'est qu'on y est. Le nombre de voitures immatriculées en France double en gros chaque année, de voitures électriques. Donc c'est encore une part assez petite du marché, hein, inférieure à 2%. Mais je n'ai pas besoin de vous expliquer que si ça continue à doubler tous les ans, ça va aller assez vite. Peut-être... clarifier une bonne fois une question qu'on entend quelquefois revenir, qui est « mais est-ce que finalement la voiture électrique, c'est si écologique que ça ?» Donc il y a quand même des réponses objectives à ça. Dans un pays comme le nôtre, où l'électricité est décarbonée, ça fait une énorme différence. D'une part, 75% de la consommation de carbone du véhicule est effectivement dans sa fabrication.
Donc la question de savoir à partir de la question, c'est à partir de quand est-ce que la décarbonation latente qui est liée à l'usage du véhicule compense le carbone de sa fabrication. Et la réponse dans un pays comme le nôtre, c'est à peu près 50 000 km. Voilà. Donc si vous avez un véhicule électrique et vous faites 50 000 km, ensuite vous commencez à contribuer à la prévention du dérèglement climatique. Avec ça, on n'a pas tout dit, mais on a quand même mis quelques équations au clair. Faut savoir que tout ça se passe essentiellement en Chine, mais c'est pas notre sujet d'aujourd'hui. Non seulement un certain nombre de métaux dont on a besoin, mais aussi l'usage des véhicules électriques, notamment des deux roues aujourd'hui, et que les mécanismes de soutien de marché sont importants. Au Danemark, ils se sont arrêtés en disant bon, maintenant, ça y est, c'est la vie normale, et les ventes de véhicules se sont cassées la figure. Voilà, j'ai glissé assez rapidement là-dessus. Je pense qu'on pourra repartager ces chiffres. S'il y a même besoin de les réutiliser un moment dans la journée comme référence, on pourra le faire. Mais ce n'est pas le cœur de ce que je voulais partager avec vous. Et je sais que je dois essayer de tenir le temps qu'on m'a imparti. Alors, ça, c'est plus important. Au fond, pour tous les syndicats d'énergie, pour les collectivités qui les constituent, la mobilité aujourd'hui, c'est une question. Il y a eu une première phase où, pour le dire vite, les syndicats d'énergie ont fait leur devoir. Ils ont pris sur leurs ressources propres. Ils ont développé des bornes de recharge rapide, pas très rapide, mais rapide sur l'espace public, en disant, on ne sait pas très bien comment ça va se passer, la politique nationale n'est pas calée, il est bien évident qu'il faut mailler le territoire, il l'est d'ailleurs de manière inégale, et donc ils ont fait leur devoir. C'est une situation un petit peu difficile, parce qu'il n'y a pas beaucoup de modèles économiques, l'investissement, il a été fait, en réalité, à fond perdu, avec le soutien de l'ADEME. L'exploitation dans la plupart des départements, il n'y a pas de modèle non plus. Et ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, c'est que probablement la mobilité électrique, elle va se caler d'abord sur des recharges à domicile, de la recharge lente, peut-être demain pilotée en lien avec les réseaux, et puis avec de la recharge très rapide ou très très rapide sur l'espace public, y compris celle qui est développée par certains constructeurs comme Tesla par exemple. Bon, ce qui est certain, c'est que les communes, les intercommunalités, autorités organisatrices, ont un rôle central à jouer dans tout ça. Les communes, ou les intercommunalités, pas les syndicats d'énergie en direct, mais d'autres intercommunalités, dont certains présidents sont dans cette salle, ont la responsabilité aujourd'hui principale de l'urbanisme. Les communes en ont gardé une partie. Tout ça, c'est en partie une question d'urbanisme, partie d'aménagement, une question d'aménagement, c'est une question évidemment de schéma de mobilité locale. Donc les communes ne peuvent pas se désintéresser de ce sujet. Et d'autre part, elles ont évidemment, à travers les AODE, la responsabilité des réseaux électriques. Donc, le modèle, à mon avis, qui va se dessiner, c'est un modèle dans lequel vous investirez dans des infrastructures innovantes, notamment, et on en parlera aujourd'hui, notamment autour de l'hydrogène, mais aussi autour de l'électricité, où vous lierez ces installations avec les réseaux qui vous appartiennent, et sur lesquels, de surcroît, en milieu rural et dans l'électricité, vous avez une maîtrise d'ouvrage, et qui inscrira la mobilité électrique dans un schéma territorial optimisé, qui lui-même, évidemment, du point de vue de la mobilité pure, devra s'inscrire dans un truc plus large. Et là-dessus, on n'y voit pas encore très clair, mais moi, ce que je pense, c'est que c'est quand même essentiellement les constructeurs et les fournisseurs d'électricité qui vont faire les investissements concernés. Ce qui est sûr, c'est que c'est pas, j'en reparlerai dans un instant, de la question des modèles dans lesquels les collectivités peuvent investir dans l'énergie, puisque maintenant la loi vous en donne le droit, et notamment dans la production. C'est pas un des domaines dans lesquels les modèles émergent facilement. Et j'en viens au troisième point, qui est l'efficacité énergétique. L'efficacité énergétique, c'est un sujet multiforme, ça veut dire plein de choses. C'est plein de segments, l'industrie, le tertiaire, le résidentiel, collectif, pas collectif, les HLM, les bâtiments privés, les bâtiments publics. Donc c'est un sujet qui échappe d'une certaine manière. C'est aussi une question délicate pour vous, puisqu'au fond, beaucoup de collectivités, pas mal d'AODE, se posent encore la question de savoir jusqu'où ils peuvent aller dans des activités de service, qui sont quand même plutôt des activités concurrentielles. Je rappelle là-dessus quand même que la règle de droit a changé, avec un arrêt de 2006 du Conseil d'État, puis un arrêt de 2010, qui ne fait plus, ça c'est quand même assez fondamental dans notre pays, on a vécu sur l'idée que la carence de l'initiative privée était la condition pour que les collectivités puissent agir dans ces domaines. Ça n'est plus le cas.
vous avez le droit d'agir dès lors qu'il y a un intérêt général qui s'attache à ce que vous faites, même si vous faites le même métier qu'un certain nombre de prestataires. L'arrêt département de la Corrèze 2010 qui est cité ici, c'est un arrêt dans lequel le département avait créé un service d'assistance aux personnes âgées dépendantes. Il y a eu un recours, on a dit « oui, mais nous aussi on fait ça, les communes ne devraient pas le faire puisque certaines sociétés le proposent ». Le Conseil d'État a jugé que c'était quand même utile, que c'était quand même d'intérêt général que le département le fasse, même s'il n'y avait pas de carence d'initiative privée. C'est assez fondamental pour ces histoires d'efficacité énergétique parce que les communes sont encore très arrêtées et quelquefois les services de contrôle de l'égalité des préfectures, qui ne sont pas toujours absolument à jour, sur cette question de qu'est-ce qu'on a le droit de faire dans ce domaine et comment on s'organise pour le faire. Et puis, vous le savez, pour tout ce qui est l'efficacité des bâtiments, la réglementation nationale a besoin de mûrir. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire, sans être trop long par rapport à ça, de façon utile ? La première chose, à mon avis, c'est qu'il faut que les communes commencent par les domaines dans lesquels il y a vraiment des modèles économiques. Le président Loury citait l'éclairage public. Dans l'éclairage public, c'est sûr qu'il y a des modèles économiques, c'est-à-dire qu'il y a évidemment des investissements à faire, mais c'est une création de valeur pour les communes d'investir dans l'éclairage public. Les bâtiments publics tertiaires et les infrastructures publiques, nos amis du département de la Vendée pourraient nous en parler, du syndicat départemental de la Vendée. On peut créer de la valeur parce qu'on fait des économies extraordinairement importantes quand on investit bien dans certains bâtiments publics pour faire de l'efficacité énergétique. De ce point de vue, je souligne aussi un point qui est qu'en France, on parle de rénovation des bâtiments. Ce n'est pas un sujet de rénovation des bâtiments ou pas principalement. Quand on veut faire de l'efficacité énergétique dans une école, dans une station d'épuration, dans une piscine, on travaille d'abord sur les utilités énergétiques, et un certain nombre d'entre vous le savent, c'est-à-dire comment on produit l'énergie dans le bâtiment. On travaille ensuite sur les systèmes de suivi et de comptage de la consommation, et on travaille enfin sur le bâtiment lui-même. Mais notamment les gens dont c'est le métier de financer tout ça, moi j'en vois, sont encore dans l'idée qu'on est en train de financer des murs. C'est malheureusement plus vrai, par exemple, pour les petites maisons individuelles. Ce n'est pas vrai à titre principal pour un certain nombre de bâtiments publics, collectifs ou tertiaires. C'est très important de le dire, parce qu'il y a des modèles économiques pour vous. Il y a des dépenses de fonctionnement à économiser, ce qui n'est pas un petit sujet. Voilà. Et donc, il faut que les AODE et les syndicats qui sont là pour vous aider, pour vous appuyer là-dedans, et ceux peut-être qui peuvent les aider à le faire, des entreprises comme la nôtre, jouent un rôle plus important dans tout ça. Deuxième temps rapide de cet exposé, comment agir ? Comment agir ensemble ? Je vais reprendre les points un à un très rapidement. D'une part, je viens de le dire, il n'y a pas de transition durable sans modèle économique sous-jacent. On n'a pas de vrai prix du carbone, en tout cas on n'a pas celui qu'on devrait avoir, donc il nous manque en tout cas un indicateur important. Et il faut qu'on invente des modèles économiques. Je suis pour ma part convaincu, et je vous parle là avec mes tripes et d'expérience, d'une entreprise qui se consacre à ça avec les territoires, avec les collectivités dans ce pays. On a une vraie question du comment agir, du comment faire. On progresse, mais il y a vraiment des choses qui doivent bouger. Et c'est de ça que je voudrais, en quelques mots et sur quelques points, vous parler de manière précise. Premier point, le point de la planification énergétique. Vous avez tous, on a tous passé quelques années à faire des plans, des PCAET, à renseigner des SRCAE, à faire des... On a en France la passion des plans. Attendez. Comme l'écran est noir maintenant, c'est de plus en plus difficile. Parce que On a un petit souci technique, voilà. Je crois qu'on doit changer le câble, mais... Vous inquiétez pas, en tout cas, on voit très bien ici, c'est plus difficile pour vous. Je sais ce qu'il y a dedans, simplement, il faut que je sache ce que vous voyez au moment où je vous parle. Je manie le prompteur correctement. Ah, c'est de nouveau noir. Bon. Les aléas du direct, voilà, c'est ça qu'on dit. Attendez, voilà, c'est ça qu'il vous faut, en tout cas, à vous. Donc, tous ces plans, ça a été un moment important d'appropriation collective de l'énergie, on en avait besoin. Les élus, qui on ne l'avait pas demandé, vos concitoyens, avaient peu entendu parler de tout ça. On s'est réunis pour parler d'énergie, les gens ont appris. Très bien. Mais tout de même, un plan, ça doit servir à agir. Il y a des choses qui manquent dans les plans en France, alors qu'on en fait beaucoup, qu'on en fait trop, que ça coûte cher, qu'on les empile littéralement. La première chose, à mon avis, c'est
Et alors, ces graphiques racontent ça à partir de plans réels qu'on a fait avec des collectivités. Qu'est-ce qu'on fait en premier? Tout le monde a des idées aujourd'hui, tout le monde a des projets. Comment on reconstitue un ordre de mérite pour allouer les fonds publics dans ce domaine? Ce n'est pas une question évidente. Et on peut le faire à l'échelle d'un territoire. On peut le faire en travaillant sur des critères objectifs, en prenant tous les projets qu'on a et en disant ben, où est-ce qu'on progresse le plus? Et on va voir dans un instant de quoi ces critères objectifs peuvent être faits, mais principalement, c'est ce que j'appelle, moi, la création de valeur territoriale. Et je vais vous montrer dans un instant de quoi très concrètement on parle. Honnêtement, c'est du sens commun. Mais je ne sais pas si vous le faites, si vous l'avez vu faire. Moi, je le vois très peu fait en France, de façon générale. Quand on a un projet construit, on peut dire, voilà, il y a un certain nombre de choses qui vont créer de la richesse dans le territoire. On commence par les choses classiques, c'est-à-dire la rentabilité de l'investisseur, qui souvent peut être une commune, une SEM, une collectivité, les emplois concrets, la contribution à la richesse du territoire, les redevances, la réduction de la facture, mais il y a aussi des prestations de maintenance, des prestations de laboratoire, des matières premières, notamment agricoles, qui peuvent être valorisées. Il faut valoriser ces flux. Ce n'est pas horriblement compliqué. Et c'est tellement fondamental, et c'est fondamental aussi parce que dans la plupart de ces projets, il y a un élément de subvention, même s'il passe par la CSPE, dans le cas, par exemple, d'énergie électrique, ou des subventions de l'ADEME, des subventions d'investissement, et il faut pouvoir mettre l'un en face de l'autre. Moi, j'avais commencé à inaugurer, on a parlé un instant du débat national, qui commence à être une histoire un peu ancienne, hein, puisqu'il y a 4 ou 5 ans, et on avait des débats parfois assez vifs, avec des tenants de... on va dire de l'ancien système vertical qui a eu ses mérites pour aménager notre pays et qui considérait que de toute façon, toutes ces histoires d'énergie territoriale, de projets d'ENR, de production par les communes, d'efficacité énergétique, c'était de la blague parce que tout ça, c'était de la subvention et que ça coûtait cher au pays et que rien ne valait les bonnes vieilles centrales qu'on connaît et les réseaux centralisés. Et je leur ai dit, ben, OK, faisons le travail empirique. Prenons des projets. C'est vrai qu'il y a des projets qui coûtent plus cher qu'ils ne rapportent. Après, il faut voir s'ils préparent l'avenir. Mais pas tous. Il y a des projets qui créent de la valeur après subvention, non seulement pour le territoire, mais pour la collectivité nationale. Cet exercice, c'est dommage de ne pas le faire, parce qu'il éclaire. Il éclaire énormément le travail des uns et des autres, et on peut le faire honnêtement. Et après, on peut s'en servir pour faire une pédagogie aussi vis-à-vis de la population. Nous, si je peux faire appel à un instant, à un souvenir personnel, tout premier projet de notre entreprise il y a 10 ans, c'est un projet avec une ville de 12 000 habitants en Allemagne, en Saxe-Anhalt, qui est un pays très plat, et dans une ville qui, honnêtement, n'avait pas beaucoup de ressources économiques, avait surtout un vieux réseau de chaleur, où la chaleur coûtait 80 euros le mégawattheure et où elle allait bientôt coûter 130 euros. Pourquoi? Parce que les gens, les gros clients, l'hôpital public, les industriels, n'étaient plus raccordés au réseau de chaleur et que les coûts fixes retombaient en gros sur les personnes qui, dans les HLM et les logements sociaux, ne pouvaient pas faire autrement. Donc, on allait à la catastrophe. Et le maire nous disait d'ailleurs, vous voyez, j'ai des éoliennes là tout autour, parce que là-bas, il y en a vraiment beaucoup, ça ne me résout pas trop le problème. Et donc, on a fait ce travail à 360 degrés en disant, il faut une stratégie énergétique pour cette ville. Et le premier projet qui a émergé, c'était un projet de méthanisation des déchets agricoles et de cogénération. On l'a expliqué longuement, on a travaillé avec la collectivité. On l'a vraiment expliqué à tout le monde, on l'a fait, on a monté l'investissement, les travaux, le méthaniseur fonctionne, la cogénération aujourd'hui fonctionne. Les trois équations de ce projet, c'est 40% de CO2 en moins, 30% de baisse de la facture d'énergie dans les HLM et 25% de taux de retour sur l'investissement communal. Mais voilà typiquement un projet avec un tarif de rachat de l'électricité issu de la cogénération de déchets agricoles méthanisés, de cogénération avec du gaz issus de déchets agricoles, qui était un tarif de rachat élevé. Et néanmoins, on a créé de la valeur. Je crois que c'est quelque chose de très important. Ça, à mon avis, c'est tout aussi important. Peut-être le plus fondamental. On est enfermé en France dans des modèles de travail et de coopération. Plus personne dans ce domaine ne fait rien tout seul. Vous le savez, tous les projets dont le président Loury a parlé sont des projets dans lesquels il y a plein de partenaires, français, allemands, finlandais, il l'a dit. Plus personne ne fait rien tout seul. C'est quelquefois ce qui trouble un peu nos amis d'Enedis ou d'EDF ou de GRDF. Ils sont peut-être dans la salle et je les aime beaucoup, je travaille avec eux de temps en temps. Mais bon,
ils ont été habitués pendant très longtemps à faire un certain nombre de choses tout seuls, il faut bien le dire, c'était leur culture, on faisait ça, voilà, on avait des bons bureaux d'ingénierie, on faisait des choses. Plus personne ne fait rien tout seul. Or, ce que j'observe, c'est que dans notre pays, la commande publique, elle se partage en gros en deux ensembles. Soit on achète des prestations de conseil, souvent ponctuelles, on dit c'est de l'AMO, alors on demande un rapport sur le potentiel méthanogène d'un territoire. Certes, ça peut servir, nous, on vient de faire un exercice avec la région Grand Est là-dessus, c'est une étape. Mais on fait un rapport sur ceci, puis on fait un deuxième rapport sur cela, puis un troisième rapport. À chaque fois, on change de prestataire, on change d'équipe. Et avec ça, on ne construit pas une équipe apprenante. Ou alors, on dit c'est trop compliqué pour nous, on délègue. La délégation de service public est un modèle qui a ses mérites. Mais tout ne doit pas être délégué, tout ne peut pas être délégué. Et dans ces phases où on est de transformation, où ces énergies ont un lien très fort avec l'urbanisme, à mon avis, il est souhaitable que les collectivités se renforcent et gardent la main sur un certain nombre de choses essentielles. Et pour faire ça, il faut faire des choses très simples que la réglementation des marchés publics permet de faire, qui consiste à dire qu'est-ce que j'ai comme ressource, moi, dans mon territoire, dans ma commune, dans mon syndicat, pour le faire. Qu'est-ce qu'il faut que j'ai comme complément de ressources? Combien de temps ça va prendre? Si on veut un programme, par exemple, pour rendre les bâtiments publics efficaces, pilotés et décarbonés. Ça va prendre 5 à 7 ans. OK. Nous, on travaille, par exemple, avec l'établissement public de Paris-Saclay. On travaille depuis 2013 sur le réseau de chaleur et froid géothermique de Paris-Saclay, qui devient un système multi-énergie, où on a, avec l'établissement public, ensemble, tout fait sauf la construction, qui est faite par IDEX, du réseau. Mais on a fait, évidemment, les spécifications, le truc, le pilotage, l'organisation du service. Bon. Le raisonnement de l'établissement public, ça a été de dire, bon, ben, j'en ai pour un certain nombre d'années. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Pas commander des dizaines de rapports sur les réseaux de chaleur. Créer une équipe apprenante avec un partenaire. Donc je fais un appel d'offres de service pour un certain nombre d'années, j'explique ce que je veux faire. Et ça marche très bien. Il y a un chaînon manquant, je vous le dis vraiment, et je suis heureux de le dire à des élus, et à chaque fois que je peux le dire aux élus, je le fais. Il y a un chaînon manquant entre des prestations de conseil trop ponctuelles, vous avez tous des rapports sur vos étagères dont vous ne vous êtes pas servi, et le fait qu'on aille chercher un opérateur pour faire les choses à votre place. Il y a un faire avec qui doit s'inventer, et c'est ça qui fait la clé des projets réussis. Je pourrais vous parler de la méthanisation des déchets d'Île-de-France, du partenariat d'innovation qu'on a avec le SICTOM et le SIAP là-dessus, ce sera le plus gros projet de méthanisation français. C'est pareil. C'est un projet qui a été programmé sur plusieurs années. Ça, pour moi, c'est peut-être la chose la plus importante. Si on arrive à faire ça, honnêtement, il ne nous manquera pas grand-chose dans les territoires pour réussir. Ça, c'est peut-être plus... Terminé, parce que je crains, sans avoir regardé le chrono, d'avoir atteint largement la demi-heure qui m'était assignée. Et si je l'ai dépassé, je vous prie de m'en excuser, mais j'arrive vraiment au bout. C'est une petite prise de recul sur ce que les AODE, notamment, alors toutes les collectivités ne sont pas AODE, mais toutes les collectivités constituent les AODE, devront faire demain, un peu différemment, refonder les termes du partenariat avec les gestionnaires de réseau. Ce n'est pas notre sujet, il y avait le congrès de la FNCCR il y a quelques jours où un certain nombre d'entre nous étions. On en a parlé, je n'y reviens pas. Travailler autrement avec les acteurs des solutions décentralisées, je viens d'en parler. Et travailler avec les citoyens, ça, je crois que c'est quand même quelque chose qu'il faut encore approfondir sur la transparence des données. Mais enfin, il va falloir un moment dire exactement de quoi on parle. Je pense pour ma part que les compteurs communicants, et notamment Linky, vont aider énormément à ça, et que c'est une bonne chose, la production décentralisée et comprendre les choix locaux d'architecture énergétique. Ça, j'en ai parlé, je vais le sauter et je vais terminer. C'est la dernière dernier des visuels, c'est le piège des visuels. En disant, au fond, il y a peut-être trois axes pour l'avenir. Favoriser la transition vers des architectures multi-énergie, là, je reviens un peu sur le fond des choses. Il n'y a que vous qui puissiez le faire. Nos amis de GRDF ou d'Enedis, la loi leur a dit... Tu es distributeur, tu es dans un monopole, il n'y a pas de monopole à la carte, tu ne fais pas les métiers concurrentiels, on n'intègre pas verticalement. Qui fera la transition vers des architectures multi-énergie si ce n'est pas les autorités concédantes et le bloc communal? Personne. Or, c'est là que sont les modèles. C'est là que sont les modèles économiques robustes. Et notamment, on va parler de stockage aujourd'hui. Je suis impatient d'entendre, j'ai parlé déjà un peu avec certains d'entre vous qui proposent des solutions. Mais le meilleur stockage... c'est d'abord de bien gérer les flux. Pour bien gérer les flux, il faut articuler les énergies entre elles.
On a fait, nous, un rapport pour la Commission européenne sur les nouveaux modèles de réseaux de chaleur et de froid il y a 2 ans, que vous retrouverez facilement sur Internet, qui, à partir d'études de cas précises dans plein de pays européens, y compris en France, on a pris le réseau de Saclay, parce qu'on le connaît bien, on a expliqué ça. Il faut d'abord bien gérer les flux, et deuxièmement, la meilleure manière de stocker de l'électricité pas chère, c'est le stockage thermique, hein, c'est l'eau. EDF avait compris ça dans les années 60-70 avec les ballons d'eau chaude. On peut faire des grands stockages thermiques. Moi, je connais une petite commune au Danemark qui se chauffe essentiellement avec l'électricité excédentaire du réseau de transport. Ils ont fait un réservoir de flotte de 200 000 m3. Quand le réseau de transport sature et qu'il y a trop d'électricité, il y a beaucoup d'énergie éolienne au Danemark, ils stockent. Ça coûte pas cher. Donc ça, c'est fondamental et c'est vraiment à vous de le faire. Et vous avez toutes les cartes entre les mains. La loi vous a donné tous les pouvoirs que vous n'aviez pas il y a encore 10 ans pour le faire sur la production, l'électricité, l'intégration, les réseaux de chaleur. Deuxième chose, c'est évidemment de privilégier le temps long. On est maintenant dans un jeu qui est un jeu d'acteurs de marché que vous connaissez, assez sophistiqué. Les acteurs des marchés, ils ont leur vie, elle n'est pas facile. Les start-up essayent de proposer des choses, ce n'est pas une vie facile. Il vous appartient à vous, élus, bloc communal, de privilégier la cohérence de tout ça et son intégration dans une perspective qui crée de la valeur pour la collectivité. Et le troisième point qui me paraît important aussi, et j'en terminerai par là, c'est qu'on a fait cette réforme du marché de l'électricité et du gaz en Europe sur des considérations économiques imparables. On a dit, voilà, ça c'est concurrentiel, ça c'est monopolistique. On a coupé les groupes en plusieurs morceaux. Ce faisant, on a construit un marché et maintenant on est dedans. Hein, il y a de bonnes choses là-dedans. Mais on a perdu un certain nombre de degrés d'optimisation. Aujourd'hui, le fait que les gestionnaires de réseau ne sachent pas, par exemple, dans quelles conditions ils peuvent faire du stockage ou pas, est-ce qu'ils vont rentrer dans un métier concurrentiel, ça pose un certain nombre de problèmes. Vous n'êtes pas soumis à ce découpage. Les AODE ne sont pas soumises à ce découpage. Et vous avez donc la possibilité, me semble-t-il, la responsabilité de reconstruire des cohérences entre les choses dont on a parlé, entre la production décentralisée d'énergie, l'efficacité, les bâtiments, les réseaux. Vous avez ces cartes en main. Et c'est à vous de reconstruire une cohérence qu'on retrouve aujourd'hui dans le territoire, qu'on a perdu avec ces réformes. Tout ce qu'on dit là, la cohérence de ce qu'on dit là, on ne la trouve que dans le territoire. Au niveau national, on peut en parler, on peut décrire les têtes de chapitre, on ne peut pas le faire. Il n'y a que vous qui puissiez le faire. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci à vous, Monsieur Cyril Roger Lacan. C'est vrai que c'était important, complexe de résumer un sujet aussi vaste en une demi-heure, mais en tout cas, vous avez apporté des clés, et c'est l'objectif aussi de ces assises, être le plus concret possible et montrer ce qui peut être fait en termes de transition énergétique.